The beginning is always take time. After that, when we already finish, all around it will be more easy. Okay, this one you don't want to go. All right. So what you need to be careful is, of course, you need to make sure or to try. Each petal is the same size. For example, this one is a little bit longer than this one. So what I'm going to do is to cut again a little bit. So everything must to be perfect. Okay. Maintenant, quand on a ça, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On doit couper non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc on doit couper à l'intérieur. Pas ici, à l'intérieur. Donc là, on fait comme ça. One. Two. One. Two. Voilà. Donc on fait tout le tour. Et après, en fait, on va recommencer le même mouvement, c'est-à-dire d'enlever entre les deux pétales la partie qui est au milieu. So after we finish to do all our petals like this, we're going to cut the between the two petals. Ouais. Last one coming up. Ok, le dernier. Le dernier, là. Ok. So, basically, all our petal is cut already. Now, what we need to do is to cut between, same before, from this one to this one, without cutting the two on top. So, we do like this. The knife is like that. One. Then you stop in the middle, about in the middle. You go to the other side. Okay. And now, what we want to do is to take it out this one without cutting the next one. Okay, like this. And we go all around again. Tu comprends, Gégé, toi? Oui, oui. Je ne savais pas le faire, mais je comprends. Ah, bah ça c'est comme tout, hein. Il faut un peu de... Il faut essayer, et puis tu peux le faire. Si tu regardes... Normalement, si tu regardes la vidéo, et que tu regardes, et que tu t'entraînes, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut le faire, en fait. Ah, je pense pas, non. Il faut quand même une certaine dextérité. Ok. J'ai coupé un peu gros, pardon. Il faut quand même essayer de faire tous les pétales la même taille. Là, de l'autre côté, on voit que ça va partir. Donc, il faut recouper un peu de l'autre côté. Et après, ça vient tout seul. Voilà. Donc, on va finir ça. Ok. One, two. Alors là, par contre, ça bouge pas mal. Donc on fait attention, on va lui redonner un petit coup là. Voilà. Normalement, ça devrait partir. Et voilà. Et donc, là par exemple, c'est pas bien coupé. Donc on va lui redonner un petit coup de suite. Voilà. Et donc il nous en reste un. So we have the last one here. And then after will be much more clear. The beginning is the more difficult. Ok, this one. Je te mets comme ça. Ok. Bon. Donc là, déjà, on y voit un peu plus clair. Et maintenant, on va pouvoir commencer
à faire exactement la même chose, mais le pétale va être beaucoup plus grand, d'étape en étape. Voilà, donc là, maintenant, on continue. Donc on va couper entre, pareil. Alors on coupe pas droit. On a toujours dit depuis le début, hein, c'est on coupe avec le couteau. Le couteau, il est en biais pour pas aller trop profond dans la pastèque. Donc on part de l'angle de cette feuille et l'angle de la deuxième feuille ici. Et donc on part comme ça et on s'arrête au milieu, comme on a dit, au milieu. Comme ça. Ok. Et donc le couteau, on voit bien qu'il est... Il est... Il y a combien d'angles là, Gégé ? 30 degrés. 30 degrés, ok. Donc à 30 degrés. Et là, on fait bien attention de pas découper les autres. Ok, donc là, il y a un petit problème. Donc, petit problème, on reprend comme ça. Et donc, on va recouper dans le coin. Voilà. Parce qu'il faut que ça soit bien net. So, in English, we say, we take from this, the knife, this angle, 30 degrees angle, about. We starting from the edge of this leaf. And we go half like this, and the edge of the other leaf. And we go in the middle, about in the middle, exactly like this. All right? Now we do the other one. So, one. Here's the angle. Two. If the leaf don't come out, then usually it's supposed to come quite clean. Voilà. Donc en fait, le plus important, c'est d'avoir une pastèque, comme je disais au départ, qui n'est pas trop mûre. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'on va voir, quand il y a trop d'eau, on va voir un petit peu les pépins et des taches un petit peu plus foncées, comme là, par exemple, ici. Et en fait, ce qu'on veut, c'est avoir pas de taches et tout bien des couleurs les mêmes. Donc, c'est sûr que la pastèque, plus elle est green, plus elle est verte, mieux c'est. Ok, donc ça, c'est la dernière. Là, voilà. Quand ça vient pas, on y va doucement. Voilà. Petit coup là. Voilà, celle-là, je pense qu'il y a un peu. Il y a quand même pas mal d'eau. Ok. Et maintenant, donc on continue un peu plus grand. Donc on prend ici, au bout. Et là, on tourne et on revient en ligne droite. De façon à faire un petit peu la fleur taille qui revient comme ça et qui repart en pointe. C'est plus joli, je trouve. Tu as déjà été en Thaïlande, Gégé ? Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ils ont des super fleurs. Hein. Donc la prochaine fois, on fera... Dans la prochaine vidéo, on utilisera le couteau thaï pour faire un autre motif beaucoup plus profond. Mais là, on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus facile. Très joli, hein, magnifique. Voilà, very cool. Nice. Hein. Ok, ben, ça commence à donner un petit peu mieux, quoi. Donc là, donc on a atteint maintenant la partie verte. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus sharp. Hein. So now we can see the green skin. So it become more sharp. And then we can see that it's exactly the same movement you need to do. And then you come back. Maybe.